Dans une boîte, il y a 16 bonbons à la menthe et 23 au citron. Combien de bonbons au citron faut-il retirer de la boîte pour que les bonbons à la menthe constituent 80% du contenu restant? Imaginons ça comme ceci. Nous avons une boîte qui contient 16 bonbons à la menthe et 23 bonbons au citron. Si nous appelons X le nombre de bonbons au citron qu'il faut retirer de la boîte, nous obtenons cette équation-là. Dans la boîte, il reste en tout 16 bonbons à la menthe plus 23 bonbons au citron moins les X bonbons au citron qu'on retire et 80% de ce nombre de bonbons qui reste dans la boîte correspond au nombre de bonbons à la menthe. Dans cette équation, nous pouvons ici diviser par 10. Ce 10, nous le mettons de l'autre côté où il va multiplier. 16 fois 10, ça fait 160. Ce 8, nous le mettons aussi de l'autre côté où il va diviser. Et ainsi, nous obtenons comme équation 160 divisé par 8, c'est-à-dire 20, est égal à 39 moins x. Ce 20, on le met à droite et le moins x, on le met à gauche du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, c'est-à-dire que x est égal à 19 et par conséquent, le D est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous répondrons à une autre question de l'Olympiade mathématique.